D'accord, on ne porte pas ce genre de chaussures au quotidien avec des perles, des strass et... Enfin voilà, du coup, je vous avouerai que je les ai achetées 300 euros, il me semble, donc ça reste pas cher pour du Balmain, parce que c'est avec H&M et je pense que la qualité elle est un petit peu moins bien que les produits Balmain. Mais quand même, 300 euros, c'est beaucoup. C'est quand même une grosse somme. Et payer une paire de chaussures à ce prix-là pour la porter, je crois que j'ai dû, je sais plus combien de fois je l'ai portée, elles sont comme neuves. Hein. Donc voilà, elles sont belles et je les adore et je crois que je pourrais même pas les vendre tellement je les trouve belles, mais je les porte pas, alors pourquoi? Why? Vu qu'on est dans les chaussures. Why? Et elle passe. Elle ne répond pas à la question. C'est marrant parce que moi, en tant que NT, genre, quand je me dis mais pourquoi? Enfin, je me dis pas mais pourquoi? Et je passe à autre chose, tu vois. Tu vois, et pareil, tout le monde a aussi un côté NT, tout le monde essaye de comprendre, même un côté T, même. Tout le monde essaye de comprendre comment est-ce que quelque chose marche. Mais est-ce que tu penses que tu es un T d'homme? Est-ce que tu passes vraiment du temps? Est-ce que tu as cherché à comprendre comment est-ce que ça marche vraiment pour de vrai et vraiment passer ton temps à faire ça et te sentir responsable de comprendre comment est-ce que ça marche? Ou est-ce que tu vas te dire mais comment est-ce que ça marche et passer à autre chose quand même, tu vois? Vous parlez de cette paire de baskets. Cette paire de baskets, j'ai un petit peu hésité quand même parce que, en fait, je les adore. Ce sont des baskets Chanel qui sont super jolies. Le signe Chanel est hyper discret, donc j'adore. Elles sont super belles, elles sont bicolores. Je les trouve trop belles, elles sont hyper confortables. C'est vraiment SF pure SF, hein. Elle passe son temps à dire j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, valeur, valeur, valeur. Et qu'est-ce qu'elle dit à part ça? Elles sont comme si, elles sont bicolores, il y a le truc Gucci qui est pas trop voyant. Elle ne fait que te reporter les faits et te dire qu'elle aime bien. S et F, S et F. Elles sont comme si, elles sont comme ça, S et j'adore, F. Elles sont comme si, elles sont comme ça, S et je déteste, F, tu vois. Et c'est que ça. Enfin, c'est pour ça en fait que c'est compliqué de se typer soi-même parce que, en fait, tant qu'on ne voit pas genre le spectre entier des autres personnalités, on est persuadé que ce qu'on fait est normal. On est persuadé que non, je suis pas à ce point-là comme ça, tu vois. Comme les gens qui pensent être introverti. Oui, t'es introverti, mais t'es tellement pas du tout introverti par rapport à tous les autres, tu vois. Genre moi, je suis introverti par rapport à Cyril Hanouna, certes, mais je reste beaucoup plus extraverti que, comment elle s'appelle? Que Virginie Vota, que Absol ou que des gens comme ça, tu vois, qui sont beaucoup plus du côté introverti des introvertis. Si on compare Absol justement à Virginie Vota, on voit que, ah, quand même, Virginie Vota, elle est quand même plus introvertie. Tu vois, on voit que, enfin, et tant qu'on n'a pas en fait une vision complète de tous les gens qui existent, on ne peut pas se rendre compte en fait de qui on est vraiment parce que on va être persuadé, mais non, je suis vraiment comme ça. Et c'est vrai, oui, t'es comme ça, mais par rapport à Cyril Hanouna, bien sûr. Mais tout le monde, en fait, par rapport à Cyril Hanouna, évidemment, tout le monde est introverti, tu vois. Même David Lafarge est moins extraverti que Cyril Hanouna. Est-ce que David Lafarge est introverti? Soyons sérieux 2 minutes. Ah, ce sont des baskets que j'ai achetées 900 euros. Je les trouvais trop belles dans le magasin, je les ai portées, je les ai adorées. Et en fait, depuis, quand j'essaie de les porter, je trouve que ça me fait des grosses jambes. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, juste je sais pas pourquoi. Et du coup... Il y a très souvent ce côté, je comprends pas pourquoi. Et ça, c'est vraiment l'intuition introvertie inférieure. Ils voient ce qui se passe, ils arrivent à voir le monde réel, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est vraiment le côté intuition, et c'est pour ça que chez les SF, ça se voit encore plus parce que c'est vraiment le côté NT, c'est vraiment le côté comment est-ce que ça marche de manière abstraite, qui vont galérer à comprendre, et c'est ça qui va vraiment les frustrer parce que c'est cette peur du. Je sais pas, il y a enfin ce déséquilibre en tout cas avec leur intuition et avec leur intuition, il y a vraiment un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois. En fait, ils sentent qu'ils ne comprennent pas quelque chose. C'est effectivement donc quelque chose qui revient souvent dans la bouche des ESP. Je vous montre un petit truc. Je n'ai pas terminé de le typer, mais je suis quasiment sûr que c'est un ESP. Est-ce que c'est... Putain, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas, tu vois. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Là, c'est le moment. Tu vois, nique sa mère. C'est pas une coïncidence, hein. C'est pas une coïncidence à cause de la vidéo miroir, hein. C'est... Je sais pas, tu vois. Ça se trouve, c'est une coïncidence. J'en sais rien. Est-ce que c'est à cause du sommeil? Je sais pas. Franchement, je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est... Putain, je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais même pas quoi vous dire, tu vois. Même moi, je sais pas, tu vois. Parce que de base, moi, je m'en battais les couilles. Je me suis dit, vas-y, nique sa mère, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de la vidéo miroir, tu vois. Mais depuis hier soir, j'ai un doute. Bref, tu vois ce genre d'état où ils vont être là en mode mais je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est typique, typique, typique du coup des ESP. Et donc, oui, enfin, bref, tous les ESP, ils vont très souvent avoir ce genre d'état où ils sont vraiment perdus, ils sont vraiment en mode mais ils n'arrivent pas justement à comprendre, ils n'arrivent pas à intuition, ils n'arrivent pas à deviner qu'est-ce qui se passe, ils n'arrivent pas à comprendre l'idée globale qui se cache derrière les faits concrets qui se sont passés en fait. Il s'est passé un truc, ils n'arrivent que à voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les choses.
Ensuite, elle va nous parler de son shampoing Crème of Nature Sunflower et Coconut. Ensuite, elle va nous parler de son produit Ultra Doux Trésor de Miel. Ensuite, elle va nous parler de son produit. Ensuite, elle va nous parler de Dove machin. Ensuite, elle va nous parler de machin machin. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et je commence avec ça parce que enfin, c'est très visible que c'est une observatrice extravertie, qu'elle va aimer amasser tout le temps de nouvelles choses. 1, 2, 3, et vous n'avez pas vu les autres, je crois que j'en ai acheté 4 ou 5 dans ma vie des iPhones.